Yoshina, c'est Tiguna et aujourd'hui on se retrouve pour notre nouvelle série. Là je copie personne, donc Emma Eleven, tu n'as rien à dire là-dessus. Bon, cette nouvelle série qui va s'appeler In Space, donc sur Inazuma Eleven Go 3 Galaxy. Donc c'est la même équipe du Hazard Challenge, sauf que j'ai mis Matatagi ici, j'ai mis la joueuse de 0, enfin elle joue aussi avec Lumière Éternelle. Qui j'ai mis d'autre? J'ai mis lui qui fait partie du Mont Olympe, enfin l'Alliance des Dragons, pardon. Et je pense que c'est tout, j'ai fait que 3 changements. Ils sont un peu trop forts. Et en quoi va consister cette série? Ce n'est pas la même chose que Hazard Challenge, même pas du tout. Je vais vous montrer. In Space, donc ça veut dire dans l'espace. Donc ça veut dire qu'on aura 1, 2, 3, 4, 5. Et sur ces 5 planètes, à chaque fois, il y a des... où on peut jouer des matchs. Et on fera à chaque fois un match par planète. Donc, Sandolius, Sazanala, si je ne me trompe pas. Guldonu. Voilà, et celle-là. Et la dernière planète. Et à chaque fois, on devra recruter un joueur de chaque planète. Si on fait une victoire, on devra recruter, par exemple, si je joue contre Guldon. Si je fais une victoire, je vais recruter un des joueurs contre Guldon. Ok ? Si je l'ai dé... enfin, c'est vous qui choisirez. Si je fais un match nul, alors là, je pourrais faire Mickey Max un joueur. Voilà, tout simplement. Et une défaite, je dois enlever un joueur et recruter un joueur niveau 1 et le mettre dans l'équipe. Vous avez compris jusque là? Donc victoire, je dois recruter un joueur de l'équipe d'où je suis sur la planète, mais que j'ai déjà. Donc par exemple, j'ai déjà le capitaine, donc qui est déjà level 99. Alors je le prendrai. Et si je perds, alors je devrais prendre un que j'ai pas et qui est niveau 1. Tout simplement. Donc j'ai été vite pour les expliquer. Donc on va faire le match. On est à Sandolius, je me souviens plus, c'est où qu'il y a quelqu'un pour se battre. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour se battre d'abord? À Sandolius, je ne suis pas sûre. Y a pas. Même pas aller par là, ok. Ça commence hyper bien. Donc on peut pas se fighter avec des gens à Sandolius. Je ne savais pas du tout. Peut-être là-bas, hein. Je ne savais pas quoi. Ouais, bah on va aller voir la grotte, mais je pense pas. Et donc on n'ira pas à Sandolius. Et à Sazanara. Hein. C'est ce que je pensais. Donc on va aller à Sazanara. Donc cette planète, on l'utilisera pas. Cette planète, on l'utilisera pas. Donc tant pis. Hein. Là, je sais qu'il y en a un. Puisque j'ai déjà fait tous les matchs, je vais juste un peu frotter mon écran avec des mouchoirs DBZ. Voilà. Parce qu'il est un peu. Ok, il bouge. Voilà, parce que. Ouais, on va vite dire qui aller.
Non, bah c'est... Ça fait très longtemps que j'ai pas joué. Je pense que c'est par là. Voilà, c'est là. Voilà, donc je vais vous montrer la team. Non, c'est pas là. Ouais, super. Voilà. Donc je vais vous montrer la composition qu'il faut que je fasse. Donc attendez, je vais faire la compo. Voilà la composition. Donc Endo gauche, je crois que c'est Manabu Minao là, je ne sais jamais. Mon défenseur préféré à gauche, un défenseur à droite, le défenseur de Sandolus, un défenseur central, Shindo en milieu récupère d'or. Les deux, ils ont deux Kishin et je les ai pris. Milieu offensif, vous le voyez. Et les deux attaquants, Matatagi et l'attaquant de... je crois que c'est l'équipe de gauche. Voilà. Donc on va aller faire ce match. J'ai fait la route partout. Donc ils sont level 21, donc ça sert à rien. Donc voilà, ça cette route, on la fera pas. Parce que le niveau n'est pas très relevé. Mais c'est là qu'on va faire. 65, 71. 74. Donc on va jouer contre eux puisque j'ai fait un rang B. Je pense pas faire un rang S, mais bon voilà. Donc c'est l'équipe c'est l'équipe de Ozolo, que l'équipe finale. Je pense que je vais faire avec mon doigt. Parce que mon écran est un peu griffé. C'est waouh quoi. Je vais voir mon doigt à longueur, mais bon. Mais c'est stylé. Je prends un autre stylet, attends. Et là, il me passe, hein. Miltania close. Je vais d'abord mettre le Kishin de Endo, comme ça bah on est sûr. Mais allez. Il est vraiment passé. Sérieux? Matatagi. Ah, quand même, les voilà. Oula, la la la. Ça va, c'est rien du tout.
Elle est court. Ah, le stylet, il déconne. Ça... Bien joué. Ah ouais, il a eu un... En plus. Là, tu prends pas le ballon à Shunbo, c'est impossible. Ça, c'est pas Diffuse Code, hein. Non, ça, c'est... Ah, zéro mal, Tatali. Oh, il est cheat. Ouais, il est très cheat. Elle va pas l'arrêter. Il va pas l'arrêter, pardon. 1422. Bim. 1-0. À 0, 17ème minute. Oh ouais, quand même. Moi, je peux plus mettre personne. Alors, je vais prendre le ballon normal. Exact. Wow! Ah, donne-moi le ballon. Le ballon. Là, on se met en mode hermite. De toute façon, normalement, elle l'arrête pas. Sauf s'il y a un problème avec les éléments. Je sais pas quel élément il est le gardien. Le mode rabat, il est trop beau, je m'en fais pas dire. Voilà, 1816. On est tout le monde d'accord. Ça rentre normalement. S'il te plaît, s'il te plaît. Yes, 1600. 2-0. On le refait. Mais je pense que cette fois il va l'arrêter. Quoi. Là il va faire au moins 1500, il va l'arrêter. Je pense. Oh yes, 3-0. Moi ça t'a dit, hein. Bah, j'ai bien fait de le prendre. Triplé. J'ai une grosse griffe, ça m'énerve. Mi-temps. Pas de changement à faire, rien. On est reparti. Matatagi a perdu son mode armé. Et bim!
Ouais. À la fin, elle est volée. Yes, 4-0. On l'aura en train de les niquer, oui. Bien joué, Matata. 4-0. Ouais. Ah, il est bien monté en défense, hein. Ah oui, j'ai fait une petite max avec ça, lui. C'était dans le hasard challenge. En plus. Et j'ai oublié de l'enlever. Et voilà, on perd le ballon. Mais bon, c'est pas ça que j'avais dit, mais c'est pas grave. Gretusan Handa. Bitch. Voilà, ils ont tout tactique. Je l'ai mal dit, ils ont tout tactique. Côté pingouin. Cette technique, elle est trop. C'est ultra tout tactique. Oh non, je peux plus le remettre. Bon, là, il n'y a pas but. Pas le coup, l'attaque. 1000. Quand même. Mais ce n'est pas suffisant. Pas suffisant. 1280. Même, je tire normal puisque j'ai plus de TP. Je pense que je vais aller en remettre. Là, je lui fais perdre ses SP. Hein, donc, Non, c'est pas ça que je veux faire. Ouais, je ne peux même pas. Melody Wave. Ah, dommage. Je sais pas beaucoup de temps. Allez. Un seul pour vous montrer un peu. Allez, on part. Allez. Allez, 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 allez. Non, allez, c'est pas assez, hein. Mais normalement, elle est but. Elle est but. Rang S. Yes, rang S, rang S, 5-0. Je pense que je vais aller en... Ouais, mais il n'y a pas de level 99 dans la galaxie, hein. Dommage. Allez, 5-0. Bon, on a gagné. J'ai le rang S. Faut pas que je me prenne de but. Ça repasse de mon côté. Ouais, on attaque. Pas le coulu, attaque. Zéro. Désolé.
6-0, quoi. Que des Matatagi qui ont marqué. Je pense que dans les commentaires, vous allez me dire, ouais, il est tout de suite Matatagi, enlève-le. Bon, je pense que je vais le faire. Parce que Matatagi, il est trop de suite, quoi. Danse des halls. Long shooter. Heaven drive. Non, ça va faire que 500, 600. Wow. Ouf. Elle avait eu un critique, la pétasse de merde. C'est bon, Deep Jingle. Ouf. Est-ce que j'allais faire combien? Je veux juste savoir. Ah ouais, donc vous voyez, je l'aurais même pas arrêté, hein. Et voilà. On a gagné. 6-0. Donc, j'ai eu 5 pièces mauves. Et là, il y a presque beaucoup de personnes qui évoluent. Donc ça, c'est bien. Nouvelle technique pour celui qui mixe chez Max. Donc voilà, en S, il manquera plus que lui dans le prochain épisode. Donc j'espère que ça vous a plu. Dites-moi vos retours, ce que vous en pensez. Et bah c'était Diguna, je vous dis tellement journée, prenez soin de vous. Et à bientôt pour l'épisode numéro 2 du In Space. Salut les gens.